Et salut les amis, sur cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer ce qui s'est passé sur Adobe. Parce qu'il y a eu un gros problème, tout ça. Mais ce qui m'a fait aussi rire. En fait, je vais vous expliquer. J'étais tranquille avec ma licorne que j'ai eue gratuitement. Licorne Flyrite. Parce qu'il y a une de mes amies, elle a quitté Roblox. Du coup, elle me l'a donnée. Et en plus, on peut pas se voir. Comme elle est en Espagne. Comme on s'est rencontrés sur Roblox, tout ça. Et en fait. Du coup, j'étais dessus. Et il y a une fille, elle vient vers moi. Je vais vous montrer l'exemple. Je vais prendre une autre. Voilà. Elle vient vers moi, j'avais mal quand. Elle me trahit. Et elle avait un dragon ride diamant. C'est un dragon diamant ride, quoi. Je lui dis, désolé, j'ai pas envie de trade ma licorne. Elle me met plein de pets et des accessoires. Non, pas des accessoires, des jouets. Après, je lui dis, non, désolé, je veux pas la trader. C'est le pet d'une de mes amies qui a quitté Roblox. Et en fait, il y a un moment, je décline, quoi. Et après, elle revient vers moi. Elle me retrade. Et en fait, en me tradant, elle me dit, mais s'il te plaît, je veux trop la licorne. Je dis que non, désolé, j'explique encore la situation. Après, elle me dit, bon, du coup, je vais porter plainte contre toi. Je me dis, wesh. Et je lui demande comment elle va faire ça. Elle me dit, bah, mon père, il est policier. Je dis, ok. Et après, elle me dit, du coup, je vais dire à mon père et on va porter plainte contre toi. Et après, elle me dit, je sais où t'habites au cas où. Je dis, du coup, allez, dis où. Après, elle avait dit, donne-moi la licorne, sinon je vais dire ton adresse à tout le monde. Je dis, allez, dis. Elle dit, t'es vers le sud. Je demande de quel pays. Elle me dit, de la France. Donc je lui dis, non, je viens pas de la France. Elle me dit, si, si. Je me dis, wesh. Donc je lui dis que c'est pas que tu parles français, que tu viens de France. Après, elle me dit, si, si. Après, je dis que je viens de Suisse, pas du tout de France. Elle me dit, ouais, c'est ça. T'es une grosse mytho. Je dis que pas du tout. Elle dit, bon, tu vas perdre ton compte, je vais te signaler. Moi, j'étais en what the fuck, man. Ce qu'elle sait pas, c'est qu'à chaque fois que je quitte mon compte, je donne dans un autre compte. Pas celui de mon téléphone, je donne dans un autre compte. Avec un autre compte. Et ce compte est sécurisé sur l'autre compte. Donc je peux pas me faire hack. Je donne à l'autre compte pour éviter de me faire hack tout ça. Du coup, c'est normal. Du coup, moi, je donne à mon autre compte. Après, je quitte. Du coup, voilà. Je vous montre vite fait une preuve. Et vraiment signaler là. Parce que là, c'est de l'arnaque. Elle me fait du chantage. Regardez. Voilà. Elle m'a fait du chantage. Et je la crois même pas. Elle faisait 10 000 fautes d'orthographe. Par exemple, pour. Non. Je veux ta licorne. Elle mettait un T. À vœux. C'est un X. C'est pas du tout un T. Du coup, je sais pas quel âge elle a. Mais elle est plus jeune que moi. Beaucoup plus jeune que moi. Que c'est mon petit frère qui fait des fautes comme ça. Donc ouais, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune que moi. Bon, voilà. Du coup, signalez là. En masse. Parce que comme ça, on peut lui prouver qu'elle a tort, que tu peux pas menacer quelqu'un de ça. Et surtout, elle a menti. Elle sait pas du tout mon adresse. C'est juste qu'il y a plein de personnes et ils habitent en France, dans le sud. Donc, elle dit ça. Bon, voilà. Wesh, elle abuse cette meuf. Pourquoi elle a dit ça? Ah, je suis toujours choquée, moi, de ce qui se passe sur Roblox à demi. Wesh, c'est quoi ça?